Salut, moi c'est Thomas Varela de Pina, j'ai 31 ans, je suis entraîneur de boxe à l'Apollo Sporting Club et aussi boxeur en boxe amateur olympique. J'ai une vingtaine de combats, une première participation au championnat de France qui va arriver là au mois de décembre. J'ai commencé la boxe un peu sur le tard, j'avais 21 ans, 22 ans, je sais plus, après être venu du foot. Je suis arrivé à Lyon, j'avais plus la possibilité de faire du foot parce que je suis venu pour mes études, du coup j'ai voulu trouver un autre sport et puis je regardais un peu la boxe avec mon père, puis j'aimais bien la bagarre, du coup je me suis tourné vers la boxe qui pour moi en tout cas était un sport assez noble. Je trouvais que ça avait une notion un peu, on va dire, chevaleresque. Je pense que mon style c'est plus un style longiligne où il va falloir chercher à empêcher l'adversaire de rentrer puisque j'ai des bras assez longs. En tout cas, j'aime beaucoup le style plus soviétique, fait beaucoup de direct, de boxe à distance, de mouvements sur les pieds et puis on multiplie le nombre de coups, quitte à ce qu'on rate, mais voilà. Multiplier le nombre de coups avec beaucoup, beaucoup de direct et miser surtout sur des directs du bras arrière pour marquer des points. J'aurais tendance à dire que la boxe, on voit ça en Occident, en tout cas comme un sport. On pourrait plus, je pense, qualifier ça d'art martial à l'asiatique. En tout cas, selon la définition des arts martiaux un peu plus asiatiques, c'est une philosophie de vie. C'est quelque chose qui va demander beaucoup d'abnégation, beaucoup de concentration et de consécration. Il faut se consacrer à la boxe, en tout cas si on veut à un moment pratiquer de la compétition. Dans la vie de tous les jours, une fois qu'on est tombé, qu'on a pris le virus de la boxe, et on aurait tendance, on va dire, à vivre boxe, manger boxe, se nourrir boxe. Et vous avez vu, si Victor il avance, poum, il prend mon jab. Je pense que la boxe, c'est un sport qui peut réellement aider à se construire parce que quand on se retrouve dans une situation d'affrontement, il n'y a plus personne. En fait, une fois qu'on se retrouve sur un ring, on a des entraîneurs, on a des collègues, mais en fait, une fois qu'on est entre les quatre cordes, il n'y a plus personne. Et ça, ça permet de se connaître soi-même. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que, plus que est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai envie d'en être capable? Parce que je ne pense pas que ce soit une histoire de capacité, c'est surtout une histoire d'envie. Et ça donne beaucoup de confiance. Puisqu'on sait que quand ça devient dur, on reste là. Le gala du 18 novembre, c'est les Apollo Boxing Night. Je vais coacher certains individus que je coach régulièrement, dont deux petits jeunes, Sacha et Adam, qui ont commencé la boxe tous les deux à Apollo, il y a 3 ans maintenant, et qui vont pratiquer avec les grands la soirée des Apollo Boxing Night. Donc c'est une forme de réussite. Ce qui me plaît le plus quand j'enseigne la boxe, c'est de voir mes coachés, du coup, ou les adhérents en tout cas, progresser. C'est de voir petit à petit le point où ils sont partis et puis à force de petites adaptations, petits conseils. Quand le coaché réussit un geste technique, c'est une victoire personnelle mais aussi qu'on partage entre le boxeur qui a compris ce qu'on lui expliquait et l'entraîneur qui a su bien l'expliquer. J'aurais vraiment, moi, ce conseil de dire aux gens qui veulent faire de la boxe, allez-y, ça va vous en apprendre beaucoup sur vous-même. Souvent, ce qui nous empêche d'agir, c'est la crainte d'échouer. En tout cas, j'avais des craintes. Est-ce que j'allais être au niveau? Est-ce que oui? Est-ce que non? Et puis, franchement, m'être lancé, je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie.
compressing all the stress, asthma on my chest, running out of breath, they gon' know my name. Quit up out the mud, brush the dirt up off me, going hard, hit them where it hurts, kill them softly, bone stress, trying to clear my mind, even smoke less, hopelessness, but I'm in this shit, full-fledged, all reckless, coming for your neck, no strap though, running this shit, both legs, bro. Word around town that they coming from my head though, funny thing about it, they don't know what's in my head though, schizo, maniac, finna go klepto, so hands on, it's gonna hard for me to let go, my ego in the same boat, with a slow leak, screaming out with the world till she prank up, two middle fingers to you all, till I'm dead and gone.